Alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou, mes frères donateurs et donatrices, je suis votre frère Yahya, l'un des représentants de vos actions ici au Cameroun, les actions Asana 13, 1 million Smile et l'association Asa. Nous sommes descendus au village Manga pour toucher de doigt la réalité que vit cette population. Nous sommes ici devant à cette population et en présence de nous, nous avons donc le chef de ce village que nous allons donc prendre en entretien. Salam alaykoum rahmatoullah. Alaykoum salam wa ta'ala wa barakatou. Comment vous vous appelez et qui vous êtes dans le village? Je m'appelle Mfouapon Ousseini, je suis chef du village de Manga. Alhamdoulilah, dans le village Manga compte combien d'habitants? Environ 12 000 ans, y compris la population des jeunes dans cette école, à proximité de l'école de ce village. Et ces 12 000 âmes sont reparties en combien de petits villages et tous se ravitaillent où en matière d'eau? Le village est scindé en plusieurs sous-villages, en 5 petits villages. Et tous ces villages-là viennent s'abriter dans ce village que voici. Et à quoi l'état de ce puits n'est pas potable? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? En ce qui concerne les difficultés, elles sont nombreuses. Nous avons plein de maladies, très souvent même c'est la dysenterie pour les petits-enfants et la typhoïde pour les enfants et même les adultes. D'accord. Et qu'est-ce que vous demandez à vos frères musulmans dans le monde qui sont en train de vous écouter présentement? Tout ce que je demande à mes frères musulmans dans le monde, c'est qu'ils puissent me venir en aide. Peut-être nous éloigner du danger que nous vivons quotidiennement. Alhamdoulilah, voilà le fait que cette population voit avec joie qu'Allah n'y a pas d'autre solution que de boire cette eau qui n'est pas potable. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que vous soyez la cause à ces populations d'avoir un puits qui va donc changer leur quotidien. Au barak alors, fikoum, jazakoum Allah khair al-jaza. Je précise bien que nous sommes au village Manjoum, et nous sommes aujourd'hui le mardi 14 janvier dans ce grand village pour toucher de doigt cette réalité, cette réalité.